Voilà, Mouila, la capitale provinciale de la Ngounié, une province que la déléguée nationale de l'UEPDG vient de visiter. Tous les départements ont reçu la visite de Mme Limbourg et sa forte délégation. Voici les étapes d'Ikobé et Sindara. Henrik Bokoko, Félix Moudibangoy. À Fougamou, la déléguée nationale et ses camarades ont été accueillis avec ferveur à l'hôtel de ville par les militantes et sympathisants. Après l'exécution des limes du parti, la déléguée fédérale a dans son mot de bienvenue énoncé quelques doléances. Au nom des militantes, Alice Barella a lancé un appel à la candidature aux distingués camarades Ali Bongo Ondimba pour la prochaine consultation électorale. Millions de femmes du PDG Atsamba Maroti se félicitent de votre tournée nationale à travers le pays. Le devoir militant m'impose de soumettre à votre bureau les quelques vœux des femmes, le vœu que le premier des militants d'entre nous, le distingué camarade, se porte candidat à l'élection 2016. Ouais. Au cours de ces échanges, la déléguée nationale de l'UFPDG était entourée de Mme Amélie Mapangou et des hiérarques du parti, originaires de Fougamou. Anne-Christelle Limbourg-Iwenga a défini les orientations de la politique du chef de l'État à travers la mise en œuvre du pacte social. Depuis 2009, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba a promis de n'être heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. À l'époque, il était candidat, il a présenté l'avenir en confiance. Ne prêtez pas l'oreille à tous ceux qui viennent semer la division parce que le programme du distingué camarade avance. Il n'y a qu'à voir l'état des routes ici. Toutes les erreurs du passé là, il faut qu'on évite ça, on met maintenant tout ensemble. On met ça dans le pacte social, on va toucher les veuves, ça va toucher les orphelins, ça va toucher les filles-mères, ça va toucher les handicapés. Nous voulons parler ici du président de la République. C'est lui qu'on doit suivre. Donc, quand on vient là, il faut qu'on puisse savoir dans nos échanges, est-ce qu'à Fougamou, ici où on se trouve, est-ce qu'il y a la NAMGS qui marche ici? S'il n'y a pas ça, il faut qu'on sache pourquoi ça ne marche pas et les nouvelles dans la même salle est possible. Les militantes et sympathisants ont remis ces victoires à leur hôte. Un geste de cœur apprécié à juste titre par Anne-Christelle Limbourg-Iwenga, qui a d'ailleurs porté symboliquement ce panier. Pour sa part, la déléguée nationale a remis une dotation comprenant du matériel informatique, des machines à coudre et une surfuleuse destinée à la maison de la femme de Fougamou. S'en est suivie une visite guidée où Anne-Christelle Limbourg-Iwenga s'est imprégnée du mode de fonctionnement. La déléguée nationale a invité les jeunes filles, les femmes, tous bords politiques confondus, à s'inscrire dans les différentes filières afin d'acquérir des connaissances qui leur permettront de créer des activités générales.